Au sud du continent européen, la Sardaigne est en superficie la deuxième île de la Méditerranée, juste après la Sicile. Bordée par la mer Tyrrhénienne, elle semble avoir laissé une empreinte de pas trois fois plus grande que la Corse voisine. La Sardaigne émergea de la mer il y a 450 millions d'années. C'est à ce titre une des plus vieilles terres italiennes, profondément découpée par l'érosion marine. La Sardaigne déroule à une altitude moyenne de 1000 mètres une terre rude et ingrate. À force d'obstination, elle devint pourtant le grenier à blé de l'Italie antique. Les premières traces d'une organisation humaine évoluée appartiennent à une société rurale repliée sur elle-même. Ce fut la période nouragique, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les menaces viennent alors de l'extérieur et ce sont les Phéniciens qui les concrétisent en débarquant vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Rome imposera sa domination après celle des Carthaginois, mais il lui faudra plus d'un siècle pour vaincre la résistance locale. Ceux qui ont traversé la mer n'apportent que le mal, dit un proverbe local. Longtemps, le peuple sarde a vécu à l'intérieur des terres en regardant passer les invasions successives. Il en a gardé une méfiance pour l'étranger et une forme de paisible indolence. Comme dans le monde méditerranéen latin, la religion catholique imprègne l'île en profondeur. Son influence n'a pourtant pas altéré le fier sentiment d'appartenir à une culture propre. Cette forte personnalité est entretenue grâce à des traditions qui témoignent des différentes influences extérieures. Un symbole, les têtes de mort cernées d'un bandeau. Elles représentent les quatre victoires des Sardes sur les Sarrasins. Dans la répartition des terres, l'olivier et la vigne sont concurrencés par l'élevage, une activité vitale pour l'île et même parfois un peu envahissante. Les voies de l'agriculture croisent celles de l'industrie, favorisées par les ressources du sous-sol. Au centre de la Méditerranée, la Sardaigne est un carrefour, à moins de 200 km de l'Afrique, ce qui favorise son développement économique. La production énergétique, en hausse constante, notamment grâce aux énergies renouvelables, contribue à sortir la Sardaigne de son isolement. Mais parmi les secteurs économiques les plus prometteurs, celui du tourisme bénéficie d'un cadre exceptionnel. Le littoral sarde se déroule sur près de 2000 km et offre de nombreux ancrages à des installations bien intégrées à leur environnement. Les dons de la nature ne suffisent pas. Il faut des infrastructures performantes. L'Union européenne, à laquelle la Sardaigne appartient en tant que région italienne, contribue à son essor. Cagliari, le chef-lieu régional au sud de l'île, atteste de ce développement en concentrant le quart de la population active. La citadelle fut élevée à l'initiative de la République de Pise au XIIIe siècle et remaniée par les Espagnols du royaume d'Aragon. Elle englobe le cœur historique de la cité et notamment la cathédrale romane érigée également par les Pisans. L'édifice abrite les dépouilles de membres de la maison de Savoie, l'ancienne famille royale italienne, qui se réfugia dans le palais royal pour fuir Napoléon. La vocation défensive de Cagliari est très ancienne, puisque certains passages couverts sont l'œuvre des Phéniciens. Les ouvrages fortifiés s'imposent au regard, comme la tour de l'éléphant du XIVe. Les époques se juxtaposent, ainsi l'amphithéâtre romain a fourni de nombreuses pierres prélevées dans ses gradins pour construire la citadelle. Au sommet, rien n'entrave la vue sur l'ample golfe de Cagliari. En direction du port, le long de la Via Roma, les bâtiments du XIXe siècle alignent leurs arcades sur une des artères les plus élégantes de la ville. Le raffinement de la décoration des façades et l'ouverture sur l'extérieur montrent que la ville s'était alors débarrassée de ses réflexes défensifs. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens avaient établi une escale pour les bateaux qui devint un des principaux centres commerciaux entre le Proche-Orient et l'Espagne. Aujourd'hui, le port de Cagliari assure les liaisons avec l'Italie continentale et le reste du bassin méditerranéen.
À l'est de la ville s'étendent les marais de Molentargius, qui hébergent de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, dont les flamants roses. S'ils sont roses, les flamants le doivent à la substance contenue dans la carapace des crevettes qu'ils ingurgitent. Plus loin, l'eau elle-même peut se colorer de rose. Aucun rapport avec les crevettes. Les nuances sont produites par les cristaux de sel qui colorent les salines de Quartu. La région de Cagliari compte de nombreuses salines, dont certaines sont encore exploitées. Après avoir franchi l'extrémité méridionale de l'île et en remontant la côte ouest, apparaît l'île volcanique de Sant'Antioco et la localité du même nom. À cause de leur méfiance envers la mer, les Sardes n'ont jamais été de grands pêcheurs. Parmi les prises les plus répandues, l'anguille est appréciée depuis l'Antiquité, mais les autres espèces n'ont fait leur entrée que tardivement dans l'alimentation sarde. Pour l'économie régionale, la pêche reste une activité marginale. Si l'on ne se contente pas de survoler la Sardaigne, il faut s'immerger dans les fêtes populaires, particulièrement nombreuses. D'après les statistiques, on en compte presque 3 par jour, tous les jours de l'année. Avec la ville de Pula comme objectif, début mai, une procession quitte Cagliari et parcourt une vingtaine de kilomètres en l'honneur de Sant'Efisio, Saint Efisio, martyrisé à l'époque romaine. Les traditions vestimentaires et alimentaires, comme le pain sarde, sont présentées dans ce défilé dont les origines remontent au milieu du XVIIe siècle. Il s'agissait alors de marquer la fin d'une épidémie de peste. La maréchaussée, à travers les âges, et tous les âges à travers la chaussée, participent à un événement qui demeure avant tout l'expression d'une foi intense. Beaucoup de spécialistes classent la Sardaigne parmi les conservatoires de tradition. Les coutumes entretiennent la mémoire collective à travers le temps. Les broderies des costumes traditionnels se perpétuent depuis le haut Moyen-Âge. De la peau du berger aux robes des religieuses, les vêtements ne sont pas reconstitués à quelques fins touristiques. Ils sont toujours de mise et dans le vent. Les ornements et les textiles les plus fins ne sortent pas du musée. Ils sont portés régulièrement, ils vivent et diffèrent d'un village à l'autre. Dans un char attelé de bœufs, la statue de Saint Efisio apparaît, protégée comme un chef d'État. Chacun veut toucher la représentation du patron de Cagliari et de la Sardaigne tout entière. La fête de Sant'Efisio ne provoque ni explosion de joie, ni débordement de foule. Elle se déroule dans une ambiance de recueillement qui surprend l'étranger. Après une marche de prière et de recueillement, la procession arrive dans la ville de Pula, sur la côte sud, où Efisio fut exécuté au IVe siècle après Jésus-Christ, sur ordre de l'empereur romain Dioclétien. Celui-ci déclencha contre les chrétiens la persécution la plus impitoyable qu'ils eurent à supporter. Saint Efisio en perpétue la mémoire. Le haut plateau basaltique de la Ghiara de Gesturi abrite quelques spécimens de chevaux sardes, un petit cheval trapu indigène. En liberté totale, ces animaux paisibles broutent à l'ombre de chênes lièges, ces arbres qui fournissent 90% des bouchons italiens. Ces plateaux uniformes sont aussi fréquentés par le premier troupeau de moutons d'Italie, une espèce de petite taille pourvue d'une épaisse toison et capable de résister à des conditions de vie difficiles. La parole peut sortir de la pierre dans une île où s'entretient la vivante tradition des murs peints. Cette expression artistique s'est développée à partir des années 1970. Elle reproduit des scènes ordinaires de la vie quotidienne, mais elle peut aussi véhiculer des messages politiques, parfois aux grandes dames des autorités locales. Sur un plateau rocheux,
Le village de Serri domine la vallée à 600 mètres d'altitude. Le promontoire isolé fut occupé dès la période nouragique, comme en témoigne le site de Santa Vittoria, un des plus vastes de Sardaigne. Parmi les 7000 sites nouragiques recensés sur l'île, Santa Vittoria est certainement celui qui présente la plus grande variété de bâtiments. Bien qu'il n'existe aucune trace écrite de cette civilisation, les fouilles ont révélé que ces édifices avaient des fonctions bien précises, religieuses, militaires ou résidentielles. Les blocs de pierre basaltique ou calcaire sont parfaitement taillés et assemblés sans mortier. Le puits, très bien conservé, était probablement sacré, de même que les canalisations. Les pèlerins y accouraient pour vénérer le dieu de l'eau, qui a toujours été rare en Sardaigne. Toute la zone autour du puits était également considérée comme sacrée, et l'accès sévèrement contrôlé. À l'extrémité de la péninsule de Sinis, en face de la ville d'Oristano, les plages sont couvertes d'un sable de quartz dont les grains peuvent atteindre 1 cm de diamètre. Bordée par la mer de part et d'autre, une tour de l'époque espagnole domine le Cap San Marco, une étroite langue de terre. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens y établirent la ville de Taros, qui dominera la région pendant 18 siècles jusqu'à la conquête arabe. Avant de disparaître sous le sable, Taros aura été un des ports les plus actifs de la Méditerranée. Le dernier dimanche du carnaval et le Mardi Gras se déroule à Oristano une manifestation d'origine espagnole, Sa Sartilia. Une procession ouvre les festivités sous la conduite d'un meneur choisi parmi les membres de l'Association des métiers, le Componidoro, un nom sarde qui signifie « le compositeur ». Le jour de la fête, l'heureux élu est habillé par deux jeunes femmes, selon un rituel très précis. Une chemise blanche est cousue à même le corps dans une ambiance grave et solennelle. La tête est soigneusement protégée en prévision de chocs éventuels. Son visage est ensuite couvert d'un masque de femme et sa tête voilée. Il porte un haut de forme noir et une écharpe de dentelle typiquement espagnole. Sa monture, ornée de parures à l'andalouse, lui est enfin présentée. Flanqué de ses aides, le Componidoro prépare le clou du spectacle en conduisant un défilé de cavaliers à travers la ville. La foule se rassemble pour assister à une épreuve spectaculaire. Les cavaliers doivent planter leur épée dans une étoile suspendue au-dessus de la rue. L'étoile représente la déesse de la fertilité que l'épée masculine doit féconder. Au grand galop, beaucoup parviennent à toucher l'étoile argentée, mais très peu arrivent à la transpercer. La foule est attentive, d'abord parce que l'exercice est délicat, mais surtout parce que le nombre d'étoiles emportées détermine le degré de prospérité de l'année à venir. Les plus habiles saluent le public avec fierté. Le spectacle se prolonge dans les rues malgré la concurrence du carnaval. Toujours au grand galop, les cavaliers émérites se livrent à des acrobaties équestres qui donne le frisson. Les rites païens de changement de saison et le monde du cheval ont fusionné ici de façon originale. Sur la côte, au nord-ouest, au bord de la mer la plus propre d'Italie, dit-on ici, la ville de Bosa a été fondée par les Phéniciens. Au XVe siècle, la ville basse, qui dépendait du roi d'Espagne, et la ville haute, qui appartenait au château des Malaspina, se regroupèrent en une seule entité.
En raison du manque d'espace, les maisons coincées entre la montagne et le seul cours d'eau navigable de l'île sont plus hautes que dans n'importe quelle autre ville sarde. Les demeures ont conservé leur élégance et la ville sa remarquable patine historique. Dans le dédale des ruelles médiévales, et à condition de prendre son temps, il n'est pas rare de rencontrer une dentelière. La dentelle, une spécialité locale réputée dans toute la Sardaigne. En principe, leur production ne s'achète que dans des coopératives, mais rien n'empêche d'admirer le travail. Dans la plaine émerge le Nourag Santu Antine. C'est l'un des plus grands et des mieux conservés. Il est constitué de blocs en basalte soigneusement appareillés. À l'origine, au-dessus d'une structure complexe, la tour centrale griffait le ciel à 20 mètres de haut. Les Mamoutones font du carnaval de Mamoïda l'un des plus réputés de Sardaigne. Tout le monde sautille, même les Isocadores, c'est-à-dire ceux qui tirent ou lancent quelque chose. Leur but ? Attraper les spectateurs avec leurs lassos pour les entraîner dans la fête et dans les danses populaires. La flore et la faune de la Barbagia sont particulièrement variées. Espèces sauvages et espèces domestiques cohabitent sur les pentes accidentées. L'animal sauvage le plus répandu était jadis le mouflon, dont le mâle arbore de grosses cornes recourbées en volute. Hélas, ils deviennent de plus en plus rares et cèdent le terrain aux chèvres, leurs cousines. Le lait de chèvre donne un fromage que les bergers consomment souvent frais, étalé sur une tranche de pain. Les massifs montagneux de la région dissimulent, protégés par les rochers, de nombreuses entrées de domus de Yana, littéralement maison de fées, des sépultures préhistoriques creusées dans le tuf calcaire. Les montagnes du centre, comme celles du Djenarjentu, offrent de nombreuses ressources en matière de loisirs. Mais ce sont avant tout de précieuses réserves d'eau sur une île qui en manque parfois cruellement. Niché dans le Djenarjentu, à 800 mètres d'altitude, le village d'Arizzo fut une des premières localités de la région qui servit de villégiature aussi bien en été qu'en hiver. À l'époque espagnole, le village avait le privilège d'être gouverné par ses propres habitants à l'ombre du Taco di Texile, un pic de calcaire juché à presque 1000 mètres d'altitude. À la frange septentrionale du massif, le village d'Ovoda est envahi le mercredi des cendres par une foule de joyeux drilles au visage dissimulé sous une épaisse couche de maquillage au bouchon. La langue sarde est complexe car elle est plus proche du latin que de l'italien. Géant de papier, Don Conte, le prince du carnaval, concentre sur lui tous les reproches d'une population qu'il bénit avec raideur. Dans la liesse générale et les préparatifs de la fête, Don Conte est ridiculisé et traité de tous les noms d'oiseaux. Il a perdu tout son prestige. On l'exhibe comme un vulgaire poulet.
À la nuit tombée, après un procès sommaire, Don Conte est conduit sur le lieu de son exécution. Comme il incarne l'hiver et la mort, il doit disparaître pour que l'année renaisse. À la hauteur du golfe d'Orosei, les rochers du Supramonte plongent verticalement dans la mer. Le Supramonte est un vaste plateau calcaire rongé par l'érosion marine. À travers le Supramonte, une route audacieuse serpente à flanc de montagne. Tantôt elle se jette sous la roche, tantôt elle suit les contours de la côte. À hauteur de Dorgali et en montant vers le nord, la côte devient plus abrupte. La mer obstinée découpe dans le calcaire de nombreuses criques, les calas, bien isolées du large. Le petit port de Calagonone accueillait jadis les marchandises en provenance de Naples. Aujourd'hui, la priorité est au Farniente. La Sardaigne a émergé de la mer bien avant la péninsule italienne et ses rochers révèlent une grande diversité. Grès, schiste, granit, calcaire et roches volcaniques. L'érosion a modelé la pierre, mais l'homme y a aussi laissé son empreinte. Une dalle verticale, gravée et percée à la base, caractérise le tombeau de géant de Codu Vecchio. Selon la légende, ce type de tombeau était destiné aux hommes de très grande taille. Ces constructions rappellent curieusement les pierres dressées par les Celtes en Bretagne et en Angleterre. La Maddalena est le dernier vestige de l'isthme qui reliait jadis la Sardaigne à la Corse. C'est aussi la dernière demeure du grand artisan de l'unification italienne, Garibaldi. La Maddalena est devenue une base navale importante à cause de sa position stratégique et grâce à l'initiative de la Maison de Savoie. La ville principale a été fondée au XVIIIe siècle et elle a conservé le charme suranné des cités restées à l'écart des sentiers battus. Cela n'a pas empêché d'équiper l'île d'établissements hôteliers. La Maddalena est reliée par une jetée artificielle à l'île inhabitée de Caprera, déclarée réserve naturelle. Plusieurs espèces végétales du maquis méditerranéen y prospèrent, comme les arbousiers, dont les fruits mûrissent à Noël. Le myrte, grâce à ses fruits et ses bourgeons, donne une excellente liqueur locale. Assiégée par les pins parasols, l'île de Caprera n'a plus à craindre les agressions. Sauf peut-être celle qui menacerait son environnement unique. La Sardaigne porte les traces géologiques d'une très ancienne terre méditerranéenne disparue et baptisée Tyrrhénis. Ces roches ont, en raison de leur âge, subi plus d'outrages qu'ailleurs. Des mâts de pierre, des vagues pétrifiées ancrent l'île dans l'histoire mouvante de la terre. Depuis l'aube du premier jour, la Sardaigne semble bien à l'écart du temps.